beaucoup à tous. Ça faisait longtemps que je voulais m'essayer à Yakuza. J'ai fait un seul épisode, le 3 à l'époque. Je crois que c'était le 3, celui en fait où on est à Okinawa. Et donc du coup, bah voilà. Non, juste tromper. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est une série qui m'interpelle. J'ai jamais vraiment pu découvrir la série depuis le début. Mais je pense que ça a l'air vraiment d'être intéressant, donc on va essayer. On va essayer. On verra bien. Bon, par contre, malheureusement, c'est en anglais. Je sais pas si on aura les voix en japonais, du coup. Je sais pas si le jeu est sorti au Japon, en fait, sur la Xbox japonaise. Ça doit être une exclue USA et Europe, je pense. Ah merde. Est-ce qu'il y a le son? Y a pas le son. Étrange. Ok. Y a très peu d'options quand même, c'est assez bizarre. Peut-être parce que c'est un vieux jeu. Enfin. Un vieux jeu remis au goût du jour. で喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるときは、特にな。切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから、俺と朝まで。ねね。なんだてめえ。いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。
てめえ。ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、いや、その…どうも、すみませんでした。Ça commence bien, c'est plutôt pas mal. Yo, tanonde oita shigoto, do? Owarimashita. Chotto futo ga.このままでいいっすか。そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、額のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか、兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃあ。金貸しが偉そうに。んどくせ。あ、おお。
Ça donne envie de jouer, dis donc. C'est pas mal. Ah, les fameux bruitages de Yakuza. Nishikiyama. Ok. Tenkaichi. C'est pas Dragon Ball ça? Tenkaichi. Ah, ça a pas changé. C'est toujours aussi bloqué, c'est toujours comme l'autre show. C'est du 60 images par seconde, j'ai l'impression. Pourtant, je suis pas sur Xbox One X. Pour l'instant, on peut rien faire. Ah si, on peut prendre. On a un appareil photo, quoi. Ça, c'est rapide, hein. C'est fluide. Et donc on est... Ah, payphone. C'est un payphone ça? Ah putain d'accord, ouais, c'est un payphone. J'avais pas vu qu'on était à côté d'un truc téléphonique. On a sauvegardé. Ah ouais, on a sauvegardé. Ok, ok, ok. Ah et donc on avait des objets, je crois. Ça. Aucune énergie. Mais c'est quoi? C'est un truc qu'on peut équiper peut-être. Équipement. Ah, peut-être d'un accessoire, non? Non plus. Attends, j'ai pas viré l'objet. J'ai fait l'inverse en fait. J'avais l'objet sur moi et je l'ai stocké. Ah d'accord, j'ai fait l'inverse. Ok, ok, ok. On peut pas l'équiper? On peut pas l'équiper. Ah d'accord, c'est passé un accessoire, ok. Et sinon on a quoi? Pas de jeu. Je suis content quand même que le jeu il soit en japonais au niveau des voix. Ok. Mais sinon, ouais, donc ça se passe quand c'était la bulle au Japon. Dans les années 80, fin 80, donc on est en 88. Un théâtre du nu. La Shinase. Pachinko. Ah, les fameux pachinko. Qui ont toujours autant de succès, même de nos jours. Bon, surtout les personnes âgées qui y vont. Ah les doublages, ils sont bien. Street Hooligan. C'est énorme. C'est pas mal quand même, c'est traduit en anglais.
Street Hooligan, quoi. Ok, ok. Bon, ça, je connais. Hein. C'est un Musso. Ok, ok. Alors, c'est à là. Oh, pas mal. On aurait peut-être dû se mettre en mode difficile. Mais bon. Merde. Quoi ? Exact, tu vois, c'est pas que. Fugati. Ok, ok, ok. Attendez, attendez. Non, c'est pas ça que je veux faire, merde. Vas-y. Merde. Attendez. Tu sais, mais... J'arrive pas. Faut appuyer quand, en fait. Comme ça. Ah, j'ai appuyé trop tôt. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Tant pis. Bon bah voilà, on l'a calmé. On les a calmés.暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスリでもいけってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な？あの、ありがとうございました。 Ah, c'était pas mal. Ha. Ça, c'est un mot à connaître en japonais. À ne pas utiliser, par contre, hein, parce que sinon... C'est vraiment... Genre, tu te fous de ma gueule, un petit peu. お前も様になってきたよな。もう一発の役座だ。今日の取り立ても、もうすませたんだろ。まあ、これで風間の奴さんも少し安心するか。さあな。あいにこおりの鳥居は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ。こんなバカみてえな時代だぜ。 楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんがムショから出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。
風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見え張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。Attendez, je viens de voir un truc. Il y a une difficulté légende apparemment. Il faut finir le jeu une fois pour débloquer les gens de difficulté. Ok, ok, ok. Ah putain, fait chier, on peut pas bouger. Ah putain, c'est automatique. Oh, une madame. Elle nous attend. Ichoni Hotel ni Ikimashio, service Shimashio. Elle veut nous emmener à l'hôtel, elle veut nous faire un petit service. Bon, elle veut nous faire payer moins cher. Bah. Le mec il nous a foncé dedans. この町で忍ぶってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく、今日はテレクラ。おめえもたまには楽しテレクラ。いいな。SM、女子大生、SM。C'est vraiment comme ça, les rues japonaises, les petites rues. Pink Dolly des Tijikan. Waouh, une heure, 5 euros. Pas cher. Pas cher. Alabia, les commandes. Avec des sphinx. Enfin, les pyramides et tout d'Egypte. Le cliché. Encore une baston? Ah, entre hommes bourrés, c'est bien ça.
Ça aussi, ça arrive souvent, les hommes bourrés. Plein milieu de la nuit. Souvent les restaurants au Japon, bah voilà, on peut boire tout ce qu'on veut, c'est limité. Les Japonais, au bout de deux verres, ils sont bourrés, bah voilà. Mais n'empêche, j'ai bien traduit en plus le jeu en anglais. Je connais pas les dialogues en japonais, vu que j'ai jamais fait en japonais. Mais j'avoue que je vois bien les dialogues popés en japonais par rapport à ce qu'ils disent en anglais. C'est assez. Au niveau de la façon dont ils parlent, au niveau du niveau de langage et tout, ça a l'air d'être extrêmement bien respecté. Des bourrés. On va vous bourrer les mecs. Ah, alors ça marche comment? Une barre, deux barres, trois barres. Ok. Shakito Shiro, Shakito. Est-ce que ça fait pas des trucs différents? Ah, c'est déjà fini? Prends-toi la poubelle. Ah, ça je peux pas le prendre. Coup de boule pour faire plaisir. C'est toujours du bien, un petit coup de boule. Ok, maintenant ils sont contents. Jikansen, ok. Millième de l'heure. Donc ça fait 10 euros de l'heure en fait. Hostess-san. Donc ils sont en train de recruter des filles de 18 à 27 ans. C'est pas très net tout ça. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est le Télécula. Télécula, j'avoue que j'en ai jamais entendu parler. Cula, c'est club. Télé, par contre, téléphone, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'ils faisaient ça par téléphone à l'époque. Peut-être possible. Oh mon Dieu.
Pourquoi il y a un étranger qui arrive ? D'accord. Le mec qui nous fait débloquer un arme de compétence, c'est pas mal ça. C'est pas mal. L'esprit du phénix. Okay. Ah putain, ça coûte de l'argent. Ah, c'est marrant. C'est un concept plutôt pas mal ça. Je crois que c'est la première fois que je vois un jeu où on peut débloquer des compétences avec de l'argent. Comme quoi dans la vie, hein, tout est question d'argent. Donc je suis obligé d'acheter un truc, c'est ça? Ah non. Mais ça veut dire qu'il y aura plusieurs styles de combat en plus. Ouh, c'est pas mal ça. Ah, ça je veux. Mais j'ai pas assez. Il me manque 603 yens. 607 yens. Dommage. Ça peut être bien ça. Mais on prendra quand même le coup de pied, je pense. Ça, le coup de pied. Saïka. Yo. Qu'est-ce qui est marqué? Oh putain. Pas de truc intéressant. Pas de truc intéressant. C'est quoi ça? Hentai. Ah, c'est bien ça. On entend un petit peu la musique. Sympa. Ah ouais, franchement ouais, c'est bien fait. Nude. Un salon pink. Salon rose. Bon, allez, je te suis. だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。この彼女って町は。なんだ。不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのマドカちゃんとユイちゃんだ。ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたい。疑ってる？そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは気
器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃない、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。カラオケ、merveilleux. Oh putain, vache. Ah oui. Karaoké dans les bars. Oh, mais. Quand on s'est dit que c'est un peu de temps. Hum? Quand on s'est dit que c'est un peu de temps. Quand on s'est dit que c'est un peu de temps. Quand on s'est dit que c'est un peu de temps.ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。道島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。分かった。今日はとことん付き合うぜ。うわ、c'est deux mecs comme ça, c'est spécial. OK, OK, OK.On va faire un premier. Shinpan. Ça veut dire judgment. Voilà. Oh putain la vache. Ça rappelle les soirées avec l'entreprise, quoi. Ah, merde.
J'ai pas eu l'autre. What? J'ai pas eu. Mon Dieu. Mais faut pas mettre des images comme ça derrière. Ça déconcentre, franchement, les mecs, putain. Mais quand on voit ça, voilà, on peut même plus appuyer sur les touches, je veux dire. C'est... Ça déconcentre tellement. 86. Karaoke, nous pro, ouais. Évidemment. Tu t'attendais à quoi? Un amateur? Faut recommencer 10 fois? C'est une blague? Bon, j'imagine qu'il faut faire autre chose. C'est peut-être un succès en fait, ça. C'est peut-être lié à des succès, ça. Shiranakattaze. Omi ga anna ni karaoke zuki datta to wa yo. Baga. Sora omae ga hame hazusou to ka yuu kara. Shikata naku tsukiatte yatta dake de. Uso tsuke. Sono wari ni wa nori nori datta janai ka. Fudan kara kakurete renshu shite run daro? Na. Yose yo. Sonna wake ne daro. それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。しょうがねえなあ、ほんとにさ。Il y a beaucoup de blabla, évidemment, vu que c'est un Yakuza. Mais franchement, c'est bien mis en scène, quoi. Je veux dire, les doublages sont bien. L'histoire est bien, donc. あやりに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりして何個かやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあ、そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして、お互い想像したくねえ姿だだな。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。遺体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。
カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前、昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は、俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。ああ、早速呼び出した。D'accord. 事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ、そもそも半年前親さんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。親さんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に撃ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そっか、そうだな、わかった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまない。Ça commence bien quand même l'histoire. Franchement, ouais, c'est intéressant. Find a payphone. OK.Le métro. Ah, c'est un parking. Là, c'est un parking. C'était pas le métro. Oh, on va voler un vélo. Bon, malheureusement, j'imagine qu'on peut aller nulle part. Ah, ben c'est ça, non? Ah, c'était ça.Ramen d'Hokkaido Tsugaru. C'est bien ça.
Ebitenguk, le paradis des crevettes. Kiryu da. Sochi de dare ka ore no pokebel narashita ka? Ah, hai. Kuze no aniki ni yuwaremashite. Kiryu-san, sugu jimuso made okoshi negaimasu. Jitsu wa wakagashire hosa no osankata ga Kiryu-san o omachi de. Sou ka. Wakatta. Non, on va prendre un taxi. Pourquoi est-ce qu'on prend un taxi? Ah, les fameux. On peut pas aller là, on peut pas aller là, on peut pas aller là. Bon, les gens se ressemblent un petit peu. Parfois, ils ressemblent plus à des Chinois qu'à des Japonais aussi. Mais bon. Night Hall. Le club Camrose. Putain. Les personnes de plus de 80 ans ont une réduction. C'est marrant ça. Ramen. Il y a beaucoup de trucs de ramen quand même. Ah ouais, c'est ouais. On peut aller nulle part. Okay. Mais ça, c'est un point de sauvegarde aussi du coup. Ok. Ok, ok. La bite. La bite, évidemment, c'est l'anglais, la bite, hein, c'est pas le français de la bite. Ah. Est-ce qu'on peut faire des combats? Ah, on peut pas. Je sais pas comment ça marche ces combats, si on peut se faire agresser dans la rue. Oh oui. Putain, on se combat contre le mec de Gangnam Style. Oh, c'est énorme. Titi. Wow. J'ai tué ces gars. Oh. Attendez. Il s'appelle Miyamoto. Ah merde. D'accord, on a des QTE aussi. Je savais pas ça. La petite queue de cheval. Oui, donc on peut acheter notre truc maintenant, non? Notre coup de pied. Flying kick. C'est quoi ça? Oh, c'est marrant. Ah, franchement, c'est marrant, ouais. La façon dont ils ont fait ça. C'est énorme. J'adore. Franchement, j'adore. Ok. Ok, ok. Yosuke. Ouais, classe quand même. Petite chemise et tout. Pas de cravate, col ouvert. Pouah. Comment on pète la classe, quoi. Du tabaco. Peut-être qu'ils vendaient du tabac, ouais, à l'époque. Je sais pas si ça existe encore, d'ailleurs, les distributeurs de tabac dehors. Je crois pas. Hein. Télélando. Encore? Putain, mais c'est Final Fantasy 1? Ok. Attends, je vais t'aider. Merde! C'est la fête! Putain, je vais faire que des combats, quoi. «
50 euros. Poki. Des massages, strip massage. C'est bien ça. Par des filles qui font des vidéos pour adultes. Mmh. Moi je dis oui. Mais comment on fait pour rentrer? Coffee shop. Ah. Il n'y avait pas Starbucks encore à l'époque, je pense. Putain, mais t'as que des trucs de... Que des trucs de pervers. Hein. Big Bob. Mmh. On se demande qui c'est Big Bob. Du carré, enfin du curry indien. Du calé. Indo-calé. On peut aller dans la pink calé. C'est quoi ça? Ah, c'est parce qu'on a changé de rue. Je sais pas. Ta gueule dans le mur. Taïo ! Ah merde, ça a pas marché. Ouh. Sephiroth version bâton. C'est pas mal ça. Putain, on va être riche avant d'arriver à la deuxième mission du jeu. Ça continue comme ça. C'est pas Bayonetta, c'est pas Devil May Cry, c'est pas Vanquish ou des jeux comme ça, mais ça marche. C'est un gameplay qui marche bien. On se prend pas la tête. On frappe. C'est qui m'a parlé? Toi, tout seul? Il a appelé ses potes en renfort. Il a appelé les vagabonds. Oh putain, il a fait une esquive. Oh lolo, qu'est-ce que tu fais toi là? Mais tu te prends pour qui là? On va lui foutre un plot sur la tête. Ouais. Trafic cône. Tu ressembleras à un personnage de Silent Hill comme ça. Ça va, madame? Peut-être qu'on peut s'arranger, non? Ah, désolé. Encore du truc de curry. Ah, mais c'est vrai que dans les Yakuza récents, il y a des boutiques récentes, des restaurants récents. Mais là, c'est vrai qu'on les voit pas du tout. Peut-être qu'ils ont vraiment fait en fonction des boutiques qu'il y avait à l'époque en 88. Ce qui est pas mal, le marché. Ah, c'est bien ça. Ah, ça, c'est typiquement les boutiques qu'on voit de nos jours à Ginza. Enfin, pas qu'à Ginza, mais... Oh, énorme! Nagasaki Champon, putain, ça existait déjà à l'époque. Oh, je savais pas ça. Ça existe encore. J'y suis jamais allé. Pourtant ils sont ouverts très tard dans la nuit. J'y suis jamais allé, popo. Encore le truc Alabia Record. Ah, c'est bien ça, disons. Bon, popo, ça existe pas. Hein. Ça doit être... Enfin, peut-être que ça existe, je sais pas. Restaurant. Et merde, on a loupé le taxi. C'est là? C'est devant? Ouais. Ah, c'est là, d'accord. Allez hop, c'est parti. Very well, sir. In a very good Japanese, I speak.
La vache. Ça donne envie, hein. してくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。ああ、キリ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。Ils ont l'air très sympathiques tous les trois. 取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し。東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小競りの取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ肩をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自動出すんじゃねえ。安心しろ、肩切ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯18年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。Sont bien faits, hein, franchement. あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえよ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おい、ゲリア。おめえ、よりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか、風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか？聞かれたことだけに答えろ！なんであの場所を選んだ。カジラの指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。それもカジラから渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでシラを切るつもりって。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだ、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒揚げしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああ、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。
今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえうちの組があの殺しに関係していたってのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよクゼナ兄貴。答えは一つだろう。ん？Je vais lui couper le doigt. その場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやすさんとどんな関係が。あの一坪にはな別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやすさんは、おやすさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ敵をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやすさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと円骨めどけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Il n'a pas l'air clean ce type. Ce cusé. Et au niveau de la mise en scène, franchement,
Surtout avec le niveau de qualité des doubleurs, c'est toujours aussi impressionnant, quoi. Putain. Encore lui? Kamosikun. On va prendre une nouvelle technique. Je dirais Jun Kazama. C'est du karaté? Parce que Jun c'est du karaté, mais ça fait pas très karaté. Non, pas Jun, Jin. Jin Kazama, pas Jun. Jin Kazama et Asuka. Ça c'est Kazama, je sais plus. Ça fait pas très karaté, je sais pas ce que c'est. Kung Fu. Il va nous taker Bruno. On peut mettre pause. Ah, c'est rush style. Merde. Ouais.
Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Ah bah si on peut. Rush. Oh putain, on a explosé sur la fin. Tel Mac Tyson. Ah bah eux aussi, ils travaillent avec Toko. SM. Ok. Bon, monsieur aime beaucoup le bleu apparemment. Mais donc, c'est exactement comme dans Black Panther. Yakuza Black Panther sur PSP, on peut apprendre des styles de combat. C'est vachement bien ça. Moi je trouve, j'avais adoré ce système. Je suis content que ça soit le même apparemment. Je pense pas qu'il y ait autant peut-être de... Ouais, peut-être qu'on aura 3-4 en plus. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je sais plus ce que je veux faire du coup. Non, bah rien en fait. Je voulais rien faire. Oh, on peut bouger un petit peu plus librement, on dirait. C'est bien ça. Vendeur d'accessoires. Ouais, sauvegarder, tiens. Okonomiyaki. Monjayaki. Ah. Ça arrive très souvent au Japon qu'on nous donne des mouchoirs avec une pub à l'intérieur au Japon. Parce que comme ça, bah ça aide certaines entreprises, certaines boutiques à se faire connaître. Et en même temps, ça vous donne des mouchoirs. C'est un boulot qui est pas très très bien payé, mais bon, c'est mieux que rien. Il faut savoir que si vous travaillez dans la vente au Japon,
Vous avez beau être vendeur, tiens, Soapland. Parfois, vous êtes obligé de faire ça. C'est assez... Ça démoralise beaucoup. Parce que... Pas besoin de vous dire que les gens, en général, n'ont pas trop envie de choper... C'est pas là qu'on l'a tué. Enfin, c'est pas là qu'on a tabassé le mec. Donc ouais, les gens n'ont pas trop envie de prendre vos mouchoirs. En général, ils vont s'éloigner de vous. On va aller dans un health. Oh, trop. Skiaki. Malfuck. Malfuck. C'est Malfuck. Un pachinko, j'ai l'impression. Les mecs, vous voulez vous battre? C'est des goons. Yamada. Oh la 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 la. Ogura, il est mort. Yamada. Je vais passer Yamada. Ouh, Yamada. Yamada n'a plus de mâchoire. On va voir notre argent. Ça, on peut l'utiliser, du coup. Ok. Ah, peut-être quand on va voir des filles. Si elles pleurent. Je sais pas. Peut-être. Aucune idée. On a 362 000. Hein, on n'a pas assez. Ouais, pour... Et ça, c'est quoi le prochain truc? 2 millions. Ah ouais. C'est... On va dépenser beaucoup d'argent. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais... Putain, on peut pas utiliser à balançoire. Ça pue du cul. Allez, on va re-sauvegarder le jeu. Parce qu'on est fou. Nous sommes fous. Pelins. Encore du curry, quoi. Avec des parfaits. Alors, on va faire toutes les maisons. Je plaisante. Ou peut-être pas, en fait. Je ne plaisante pas. Kamelan Shokichi. Faut savoir qu'à l'époque au Japon, dans les années 80, début 90 encore, ça existait. Le Japon était tellement riche que souvent, quand on allait à un entretien d'embauche, en fait, les entreprises nous payaient l'aller-retour plus après quelques suppléments. Ce qui fait que si par exemple vous habitiez, je sais pas, à Osaka, et que vous alliez à Tokyo pour des entretiens d'embauche. Oh, des Yakuza. Oui. Donc voilà, si vous alliez à des entretiens d'embauche à Tokyo, suffisait de booker par exemple deux, enfin même plus 3-4 entreprises, et donc vous allez recevoir de 3-4 entreprises donc de l'argent pour le trajet Osaka Tokyo. Donc en fait, ça devenait un job, même si vous n'étiez pas embauché, c'est pas grave parce que vous receviez donc voilà, vous avez dépensé 100 euros pour aller jusqu'à Tokyo pour un entretien d'embauche. Mais vous multipliez 100 euros multiplié par 4, 5 entreprises, ça faisait 500 euros alors que vous avez rien fait. Vous avez juste parlé à des gens pour... Oui, moi je cherche un boulot. Ah voilà, donc je réfléchirai à votre offre. Donc voilà, c'était... Comment devenir riche au Japon sans rien faire? Bon, maintenant ça n'existe plus. Hein. Les Kaneda. Kawano, toi aussi. Now!
C'est bien parce que c'est rapide comme style de combat. C'est bim 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 bim. Il y a un kinéma. Donc ça c'est le Sega. On peut rentrer ? On peut pas encore rentrer, peut-être. Hein ? C'est quoi ça ? Il y a un truc chelou qui apparaît en bas pendant une seconde. Je sais pas ce que c'est. Ouais, on peut pas rentrer, je pense. On peut pas encore rentrer. Bon, on va sauvegarder. Et on va aller voir le président Toko. Je pense qu'on s'arrêtera là. Par contre, j'espère que ça va pas durer longtemps. Parce que bon, si on est parti pour une heure de dialogue... Oh, la chemise ouverte, pas mal. Kawasaki ! On m'a tué ! Oh ! Ah putain ! On n'a pas repris notre vie ? J'avais pas fait gaffe à ça. On est déjà à 900 000 au niveau du fric. Ah ouais, ça va vite. Bah du coup, on va prendre ça. Parce que ça augmente beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est pas grave. On va prendre ça aussi du coup. Voilà. Ça fait un petit peu plus de vie. Vu que ça marche avec tous les styles apparemment. Donc si je veux reprendre de la vie, il faut sûrement que j'aille dans un combini ou que j'aille manger, je pense. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse aller manger. Pour le moment en tout cas. Là par exemple on peut rentrer. On peut rentrer. Ah non, j'ai rien dit en fait. On peut rentrer. Un petit gudon. On va prendre un extra large. Parce qu'on est des fous. Qu'on est riche. Un petit skia. Je sais pas si ça existe de nos jours encore. C'est quoi cette enseigne? Je sais pas si c'est une vraie enseigne. Oula. Par contre les temps de chargement. Aka Gumalu. Non, je connais pas. Mais c'est là? C'est ça? Non, ça c'est un Tokoyasan, c'est un coiffeur ça. Attendez. On se barre! On les a eus. Ça c'est marrant ça. Ça c'est les trucs qu'on voit encore aujourd'hui au Japon quand ils font des travaux. C'est marqué Anzen Daiichi. La sécurité est notre priorité numéro 1. Kikkoman. Ça c'est là où on était hier soir je crois. Ouais c'est ça. Oh. C'est ça. Mais on peut pas rentrer dans tout... Ouais, on peut pas entrer. J'espère qu'à un moment dans l'aventure, on aura une sorte de curseur ou je sais pas, une map pour nous dire là on peut rentrer, là on peut pas rentrer. Et merde. Men in Black.
Oula 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 oula. Ça va pas là? Coup de pied à la tête. Du strip. J'ai vu du strip là. Marilyn Monroe, striptease. Eros. Donc, Toko, 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 t'es où? Ah bah c'est ça. Bon. Même s'il y a quelques combats. C'est pas grave. On va sauvegarder avant. On est ready. Peut-être pas en fait. Oh les gueules. うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、キリュウさん。違う。お前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ。こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンプレー。Chimpila! Les Chimpila. Oh, Teramoto, il a pas fait long feu lui. Teramoto. Quoi, tu veux te prendre un coup là? Pa 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 pa. Voilà. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est fini? Bizarre. Le mode combat. Ah d'accord. Je comprends pourquoi le mode combat ne s'arrêtait pas. Couché. Il y a encore des gens là. Bon bah voilà. Putain, on est à 1 million. Le fric se récolte à une vitesse. ここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。c'est peut-être pas lui, c'est peut-être Cusé, c'est peut-être les deux。わかった。全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼ。あんたが俺を。何の話だ。ねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだ。あ、殺に実施量に言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。
ごゆっくり。お前とは一度腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の手なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人はまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。おお、bah ça s'est bien passé. Notre téléphone portable.
find a payphone. Bon bah on va s'arrêter ici hein. Ah ça, il y a beaucoup de japonais souvent qui font ça. Qui s'entraînent au golf dehors. Sauf qu'ils ont pas de club hein, ils font du air golf. Comme ils font du air baseball. Je sais pas, ils aiment bien faire ça. Ça fait cher quand même la Dream Machine. そんなとこに今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああだがいろいろあった。いろいろ。そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、殻の一坪って聞いたことあるか。クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。Bon ben voilà, on va s'arrêter ici. Très bon jeu, franchement. J'ai aucun doute que l'histoire va sûrement va prendre encore plus d'ampleur. Franchement, ouais, c'est bien raconté, donc j'adore. Moi, je vous dis à la prochaine. Peut-être que la prochaine fois sera plus Infinite and Discovery. Mais on verra. De toute façon, ça c'est sûr et certain, je continuerai à ce Yakuza qui me fait vraiment envie. Allez, je vous dis à plus et amusez-vous bien. Bye bye.